Bonjour, bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Chronique de Net TV. Merci, merci, encore une fois, merci à vos commentaires, merci à vos messages, merci à vos appels. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne ici, c'est pour votre bien, c'est pour les analyses bio que vous abonnez. Vous qui n'êtes pas encore habitué à partager les vidéos, partagez les vidéos que d'autres personnes puissent écouter de la qualité des analyses. Si vous avez des suggestions, faites des commentaires, ça ne va pas casser mais tout, ça va toujours être bon. Les gens qui sont aux États-Unis, ici au Canada, en Allemagne, France, Angleterre, Suisse, pays scandinaves, j'ai Eliane et Pocho, j'ai Joël Ndelo, tout ça, en tout cas, dans Londres, je suis fier de vous. En Afrique, partout, je vous aime. Australie, à Chine. Alors, les gens qui n'ont pas compris le message d'hier, ceci. Je vais dire ceci. Kofi Olomide, l'homme de tous les temps, les demi-dieux, l'homme que le créateur de beaucoup d'artistes et musiciens, un homme si riche comme Kofi Olomide, il y a une dame qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'intelligence, qui n'a pas compris la grandeur et la valeur de Kofi Olomide, se permet à insulter Kofi Olomide et toute sa famille. La personne que nous devons protéger, la personne de Kofi Olomide, une dame insensée qui va insulter la personne, la valeur que nous avons au Congo. Est-ce que la dame ici n'a pas vu, n'a pas regardé d'abord les gens comme de Youssou N'Dour, les Salif Keïta. Il y en a beaucoup de stars, de légendes de différents pays. On les donne du respect. Batouana, ces gens-là ne sont pas parfaits. Les Youssou N'Dour ne sont pas parfaits. Ils ont aussi des alpha blondies. Ils ont aussi des. Ce sont des humains comme nous. Mais comme ils ont fait beaucoup pour leur pays, la population, son peuple, lui doit du respect. Ils doivent protéger le leur. Mais chez nous au Congo, tellement qu'on aime trop de bêtises, même les femmes de 70 ans viennent sur les réseaux sociaux en train d'insulter bêtement des personnes comme Kofi Olomide. Et les Congolais sont là pour applaudir. Ça, c'est quel peuple. Une légende qu'on est en train de déshabiller sur les lieux publics et son peuple est là pour applaudir. Vous, les Congolais, vous avez des problèmes. Un monsieur comme Ferregola, si vous regardez beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews de Ferregola, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Il peut parler peut-être, mais il se réserve sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir toujours calme. Il y a des questions qu'il ne veut même pas répondre, il ne veut même pas parler de certains sujets. Mais il y a une dame qui se prend comme la reine des réseaux sociaux. Va inciter, faire, aller même au-delà, lancer des injures à sa mère, à la mère de Ferregola. Et puis tout le monde, c'est tout le monde qui est en train d'applaudir. Maintenant, vous les warriors, les moins intelligents, il y a les gens qui sont, j'ai eu beaucoup de warriors qui sont contre les insultes de la dame là. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je ne pense pas que Fally peut avoir de telles personnes à côté d'elle. Je ne pense pas que Fally peut avoir des personnes pour réciter les femmes déjà, des mamans déjà, puisque Fally aussi a une mère. C'est impossible que Fally incite la mère de Kofi Olomide. C'est impossible que Fally incite la mère de Ferregola. Même s'ils sont des rivaux sur le plan musical, mais quand il s'agit de famille, tous ces gens-là se donnent du respect mutuel. Ferré, si c'est selon ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un homme qui est posé, un homme qui est assis. On n'a jamais vu sa femme s'étaler sur les réseaux sociaux comme Nana Ketchup. Jamais. Mais c'est sa femme qui est étalée, qui est insultée. Une femme qui ne parle pas. Selon ce que les gens disent, c'est une femme qui est accueillante, une femme qui sait protéger sa famille et ne choisit pas les affaires d'une autre maman.
Non, elle, pour elle, les enfants sont les enfants. Elle protège la progéniture des férégos, là. La femme là que vous insultez là, je ne sais pas, aigle jaune. C'est une femme qui respecte, qui aime, qui sait la valeur de faire égal. Mais il y a une personne qui n'a même pas, peut-être il n'a même pas de famille, une personne qui est mal éduquée. À l'âge de 70 ans, si tu commences à insulter les parties intimes d'autres femmes comme toi, c'est que tu n'as pas été bien éduqué dès le bas âge. Puisque tu ne peux pas péter les plombs à l'âge que tu as, tu ne peux pas péter les plombs pareil. Aller jusqu'à insulter les fesses des gens sur les réseaux sociaux. Toi, une dame de 70 ans, tu insultes une dame qui a des affaires. Ma chère mère Bomolo, je sais là où tu es, tu regrettes ce que tu as fait. Mais tellement que les Congolais, ils ne comprennent pas l'esprit de l'humilité. On a toujours dit l'humilité précède la gloire. Mais là où tu es, tu sais bien que tu as mal fait. J'ai fait la vidéo hier, puisque on t'a interdit, Nana Ketchup t'a interdit de citer les affaires de Fally Ipupa. Il y a les gens qui ne m'ont pas compris, mais ce sont des réalités. Aujourd'hui, c'est toi qui mets la famille de Fally Ipupa dans de mauvaises épreuves. Les gens vont penser que c'est la famille de Fally qui t'envoie à faire des bêtises. Parce que tu parles à la femme de Fally Ipupa, tu deviens automatiquement l'envoyé spécial de la famille. Ça, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. C'est la même chose avec la maman Eliane Nitu, je ne sais pas si je n'oublie pas son nom. C'est elle qui a commencé à embrayer la vie de Koffi Olomide sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a mis Koffi Olomide dans les embris qui se sont écoulés il y a peut-être un mois. Tout en oubliant que Koffi Olomide est une légende. Quels que soient les problèmes de sa famille, on est censé aller protéger, puisque c'est une légende. Koffi Olomide n'est pas comme les Robinho Mundibu, comme qui que ce soit. Koffi, c'est quelque chose, c'est une personnalité. Pour nous, les Congolais, on doit être fiers de Koffi Olomide. Depuis qu'il a commencé la musique, jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme qui s'est régénéré. Moi, je l'appelle un serpent. Un serpent, après 20 ans, il enlève sa peau, il s'est régénéré, devient jeune. Koffi Olomide, il fait de la même manière. Il a été avec Papa Wemba, au temps des Aïko. Regardez là où il est aujourd'hui par rapport à d'autres personnes qu'il a commencé avec. Nous avons vu de Langa Star et Voloko. Koffi Olomide était à cette époque-là. Il y a l'époque de je sais pas, de Pepe, je ne sais pas, Empire Bakuba. Il y a des Papa Wemba. Koffi a traversé toutes ces générations-là, toutes ces années-là, mais il est toujours Koffi Olomide. Pendant que tous ces gens-là, ils sont finis. Il y a personne qui parle de Voloko. Personne qui parle, je sais pas, de Djengaka. Il y a personne qui parle de Lita Bembo. Personne. Mais Koffi, grâce à son savoir-faire, Koffi Olomide, grâce à son savoir-faire de la musique, il sait comment s'organiser. Il a gardé son style. Quand on écoute Koffi Olomide, on sait que ça, c'est Koffi. Que ce soit le Rumba, que ce soit Seben, que ce soit Tcha, tout, on sait ça, c'est Koffi Olomide. Il a si commercialisé sa voix à travers le monde entier. Koffi Olomide, c'est le seul musicien qu'on a parlé de lui sur CNN des États-Unis. CNN, c'est pas petit, ça c'est pas petit, c'est pas n'importe qui. Ici, on a vu Fally, il était parti aux États-Unis. Chaque fois, il se cherche, il se cherche. Il y a des fois, il dort dans des maisons des gens, puisqu'il n'est pas capable de payer même les loyers. Mais ça, on a compris, puisque la musique, c'est comme ça. Il y a des fois, il y a les bas et les hauts. Jamais Koffi est passé sur les réseaux sociaux en train de critiquer Fally puisqu'il n'a pas eu de place. Puisqu'on l'a incité au Canada, il est comme un diva. Il n'y a jamais quelqu'un de Fally, de Koffi qui est parvenu insulter Koffi Olomide. Fally Ipupa, non. Puisque la musique, il y a des bas et les hauts. Mais pour vous, Koffi qu'il dort, qu'il s'élève, qu'il marche, vous insultez toujours. Ferregola qu'il marche, qu'il s'élève, vous l'insultez. Les enfants de Fally qu'il parle, qu'il dorment, vous les insultez. Vous voulez quoi, vous les warriors? Vous voulez quoi? Polémique musicale, ça ne va pas finir. Luambo a fait des polémiques avec Taboulé, c'est normal. Lita Bembo a fait avec d'autres. Zaïko, ils ont fait avec ceci.
l'aider Wenge. Si Ferre, il fait polémique avec Fally. Fally fait polémique avec Inos. Ça, ce sont des musiciens, c'est normal. Mais quand vous allez insulter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais insulter la mère de Fally Ipupa. Ça, c'est quoi ça? Il y a des Gaulois qui incitent la mère, une personne qui est morte. Vous incitez des personnes mortes, vraiment. Ça, c'est la faute que j'attribue chaque jour aux Gaulois en train de citer les parents de Fally Ipupa qui nous ont laissé paix à leurs âmes là où ils sont. Maintenant, aujourd'hui, les Wario, comme au Fingasika, la mère de Fally Ipupa, de Ferre Gaulle, vous voyez là où vous amenez les choses. Vous aviez cité que Fally a teka maman na bango. Maintenant, aujourd'hui, les Wario commencent à citer la maman de Ferre. Ce n'est pas bon. Il faut inviter les gens qui vous ont mis au monde, ce sont vos petits dieux. Nos parents sont des dieux. Quand vous insultez les parents, vous insultez les dieux, vous insultez les dieux. Nazako Ebisabino Makambo, vous devez apprendre à contrôler vos langages. Je peux dire que Fally n'est pas bon. Ça, ce n'est pas insulté. C'est mon point de vue, c'est mon constat par rapport à cette quelque chose. Pour dire que quelqu'un n'est pas bon, c'est adjectif qualificatif, il n'est pas bon. Je vais maintenant, c'est un adjectif de comparaison, pardon, ce n'est pas... Quand je le compare à Kofi Olomide, je vais dire, n'est pas bon par rapport à Kofi. C'est une comparaison qui vient de moi, mon propre point de vue. Mais cela ne veut pas m'envoyer. Si tu dis que c'est Fally qui est mieux que Kofi, cela ne veut pas me faire fâcher et puis commencer à insulter la femme, soit les parents de Fally. Ce n'est pas normal. Vous les Wario, je sais qu'il y a beaucoup de Wario qui sont intelligents, qui comprennent les messages. Puisqu'il y a d'autres qui sont déjà ivres, Meli Badiamba. À un moment donné, quand il passe les réseaux sociaux, il commence à insulter sans même réfléchir, sans même écouter les messages. Il y a d'autres, même les Gaulois, qui sont contre des injures envers la famille de Fally Ipupa. Il y en a. Que vos injures, vos insultes restent, soient recadrées entre les musiciens. Mais laissez les enfants en dehors de vos bêtises. Laissez les enfants, les femmes en dehors de tout ceci. Laissez les mamans, les parents en dehors de tout ceci. Ce sont les musiciens qui vont assumer ce qu'ils ont amené sur les réseaux sociaux. Jamais Ferre amener sa femme sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous insultez sa femme? Elle n'est pas une personne publique. Mais Nana Ketchup s'est amenée sur les réseaux sociaux. Elle fait des vidéos sur elle, puisqu'elle est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est sur les réseaux sociaux est à analyser. On fait analyser sur tout, sur les réseaux sociaux. Mais la femme de Ferre n'est jamais passée sur les réseaux sociaux. Moi, je vais arrêter la vidéo ici. Ça, c'est partie 1. Pour Ferre, je dois les défendre. Pour Kofi, je dois les défendre. Pour quand vous faites des choses qui ne sont pas normales, mon travail c'est mettre les points sur les i, retourner les gens à l'école. Maman Bomolo, je pense que tu as compris la leçon. Chaque chose a son temps. Vidéo au salé Tikali. Les choses ici vont passer. Qu'est-ce que toi tu vas laisser au public? Qu'est-ce que toi tu vas laisser au Wario? À part les injures. Je vous aime trop. Bye.